Salut, de retour dans la forêt pour une petite vidéo de permaculture, notamment le bois de chauffage. Alors là, c'est plutôt la saison où on fend le bois. Ça s'est fait avec la fendeuse hydraulique à l'arrière d'un tracteur. Mais ça peut se faire aussi avec le marteau Merlin, la masse, quoi. Bon, j'ai encore beaucoup à empiler et même des petits bouts à recouper. Alors, pour mettre en place la tronçonneuse, faut dévisser ça pour le modèle rapide. Et revisser ça. Bon, malheureusement, c'est pas un placement de produit, hein. J'aimerais bien qu'il me donne des objets. Là, faut qu'il y ait au moins 3 dents pour la tension de la chaîne et que ça coulisse. On vérifie aussi qu'il y a de l'huile de chêne et un mélange d'essence sans plomb 98 et d'huile moteur à 2%. Bon, là c'est le frein de chaîne, dans ces cas-là ça bouge pas. Je l'enlève pour démarrer. C'est peut-être pas bien, mais personne ne le fait, donc de toute façon ça démarre pas sinon. Alors là, il faut appuyer sur les deux détentes et se mettre en carter fermé. Et au début, il faut qu'elle cale, juste caler. Ah, j'oubliais aussi d'appuyer un peu là-dessus. Là, ensuite, une fois qu'elle a calé, on se met en carter ouvert. Et ça va démarrer plein gaz. Il faudra accélérer pour que ça se mette en mode 1. Et voilà, off. Et on peut remettre sur on pour la redémarrer plus rapidement la prochaine fois. La dernière fois, il était question de ça. Maintenant, il y a encore beaucoup plus de bois empilés. Bon voilà, fin de journée. Il faut aller prendre le déjeuner et se reposer. Alors ça fait au moins 25 stères. C'est abominable la quantité de bois qu'il y a. Bon, il y a encore du travail à faire. Du fendage et encore à assembler un peu. Ça va se faire. Allez, à plus tard.